Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni est en lice pour un sixième mandat. Son parti l'a désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 grâce à la suppression de la limite d'âge pour la présidence. Le Togo va bénéficier d'un appui financier de 35 millions de dollars de la part d'une agence américaine pour dynamiser son économie. La priorité sera donnée à certains secteurs clés. Détail à suivre dans cette édition. Et le climat des affaires se porte bien en Côte d'Ivoire. Dans son bilan des activités, le Centre de promotion des investissements enregistre une hausse de 26% du nombre d'entreprises créées en 2018. Mais tout d'abord, en Algérie, les manifestations de ce vendredi 22 février pour protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril pour un cinquième mandat ont débouché sur l'arrestation de 41 personnes. Toutes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public, actes de vandalisme, dégradation des biens, violence et voies de fait, même si des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants ce vendredi 22 février dans le centre-ville d'Alger. Aucun incident majeur n'est à signaler. Un potentiel sixième mandat se dessine pour le président ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier a été investi candidat le 20 février par le parti Mouvement de la Résistance Nationale en vue de l'élection présidentielle de 2021. Une option possible malgré ses 74 ans puisque la limite d'âge pour la présidence a été supprimée fin 2017. Nathalie Mo. Les perspectives pour un sixième mandat se précisent. La trajectoire est officiellement prise par le président ougandais Yoweri Museveni pour l'élection présidentielle de 2021. Le parti au pouvoir, le Mouvement de la Résistance Nationale, a réitéré sa confiance à son leader le 20 février 2019. Décision qui se présente comme une investiture en bonne et due forme. Dans le principe, tant que la Constitution ne l'interdit pas, le président sortant est en droit de se présenter. Donc il faut travailler sur d'autres dimensions, à savoir mobiliser suffisamment d'Ougandais pour les convaincre de ne plus accorder leur confiance au président actuel à travers le suffrage universel. Donc, de son côté, l'opposition ougandaise accuse le chef d'État de vouloir demeurer président à vie. Face à lui, le député populaire Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine, a annoncé début février son intention de se présenter à la présidentielle. La disponibilité d'une figure montante est un peu important pour l'alternance. Si la classe politique et l'opposition en particulier ont suffisamment de capacités politiques de faire parler des rivalités intestines, des petites susceptibilités et des ambitions pour s'agréger autour d'un seul candidat. Pour les observateurs, l'investiture du président Museveni est une formalité. Selon ces derniers, c'est une nouvelle étape que franchit l'actuel chef de l'État pour rester perpétuellement au pouvoir après la levée du verrou de l'âge présidentiel en juillet 2018. Également dans l'actualité, à l'élection présidentielle sénégalaise de ce dimanche 24 février suscite pas mal d'engouement au sein de la population puisque sur les quelques 6,7 millions d'électeurs, 97% ont retiré leur carte. Les 3% restants représentent tout de même 185 000 électeurs. Les autorités avaient prévu d'arrêter la distribution des cartes ce vendredi 22 février, mais une mesure exceptionnelle a été mise en place pour récupérer les cartes ou un duplicata jusqu'à ce samedi 23 février. Pour rappel, la campagne électorale a pris fin ce vendredi 22 février à minuit pour les 5 candidats en lice. 35 millions de dollars, c'est la somme que va percevoir le Togo de la part de l'agence américaine Millennium Challenge Corporation. Ce montant devrait donner un coup d'accélérateur à l'économie togolaise en donnant la priorité au TIC et à l'agriculture. Marcel Farbamaroun.
Le Togo a reçu la somme de 35 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation, a annoncé jeudi 21 février 2019 l'Agence américaine d'aide bilatérale, une enveloppe qui sera décaissée sur 4 ans pour appuyer le programme Seuil du Togo. Elle contribuera notamment à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication et faciliter les droits fonciers pour élargir l'accès à la terre et augmenter la productivité agricole. Je tiens à féliciter une fois encore le Togo pour les efforts remarquables accomplis ces 9 derniers mois concernant les technologies de l'information et de la communication et le foncier. Nous avons de bonnes raisons de nous réjouir car cette occasion marque une étape dans le partenariat entre les États-Unis et le Togo, un partenariat que nous voulons de plus en plus dynamique. Le programme dénommé Compact, qui met l'accent sur les financements de plus grande envergure, n'a lui pas été accordé. Les autorités américaines estiment en effet que les dirigeants togolais doivent encore faire davantage d'efforts en termes de liberté publique et de démocratie. C'est une récompense à minima. De mon point de vue, ce sont des clopinettes. Je considère pour ma part que les autorités togolaises ont intérêt à entamer et accélérer des progrès crédibles en matière de liberté publique et de démocratie. Le programme Seuil du Togo permet aux pays qui n'ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par la Millennium Challenge Corporation de bénéficier d'un appui financier leur permettant d'achever le processus complet d'éligibilité avec, à la clé, plusieurs centaines de millions de dollars. Le climat des affaires connaît une embellie en Côte d'Ivoire. Le nombre d'entreprises créées en 2018 a fait un bond de 26% selon le Centre de promotion des investissements et plus de 700 milliards de francs CFA d'investissement ont été captés. Reportage de notre correspondant Liva Djakoton. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a capté 703 milliards de francs CFA d'investissement privé en 2018, avec à la clé la création de 14 812 entreprises, soit une hausse de 26% par rapport à 2017. L'agro-industrie capte 27% des investissements, suivi du transport-entreposage à 24%. On n'est qu'à l'image des résultats économiques de la Côte d'Ivoire et on ne peut que se réjouir de ces éléments. Nous savons qu'il y a encore du chemin à faire, nous allons le parcourir, mais ce qui est déjà passé nous donne satisfaction et nous donne un bon espoir que les choses à venir seront encore meilleures. Par ailleurs, le nombre d'emplois prévisionnels est de 14 993, soit une baisse de 21% en comparaison avec 2017. La promotion du nouveau code des investissements 2018 adopté en août et surtout la dématérialisation effective de tous les services restent également des défis pour le CPC. Il faut que la dématérialisation soit une effectivité dans le quotidien de l'Ivoirien, dans le quotidien de l'opérateur économique, pour qu'il puisse sentir effectivement qu'entre l'administration et lui, il n'y a plus de barrières. Créé en 1993, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a 26 ans en 2019. Il est le guichet unique de l'investissement direct en fédérant, en coordonnant et en rationalisant les initiatives gouvernementales pour le développement du secteur privé. En 2018, l'Ouganda a fait l'ambitieux pari d'accueillir et d'intégrer des réfugiés, mais ces camps d'accueil sont situés dans une région en proie à une pénurie d'eau potable au nord-ouest du pays. Pour s'abreuver, les réfugiés sont obligés de faire de longues files d'attente, une situation qui dure depuis près de 4 mois. Nelly Claude Bessa. Avoir accès à l'eau potable est un véritable casse-tête pour les réfugiés dans le nord-ouest de l'Ouganda. De longues files d'attente constituées des femmes et des enfants se forment pendant des heures devant des points d'eau. Certains résidents imputent la pénurie d'eau à la saison sèche qui a commencé en novembre 2018. Pour les observateurs, les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement existants ont été mis à l'épreuve par l'accroissement démographique lié à la croissance économique. De la période de décembre à février, mars, il y a une très longue saison sèche pendant laquelle il y a donc l'absence de pluviométrie. Les populations se retrouvent rejetées à elles-mêmes. Il n'y a pas accès à l'eau de manière facile. Au camp de réfugiés de Palorinya, les habitants pointent du doigt la Croix-Rouge ougandaise qui a démantelé les stations de traitement d'eau dans la région. Une intervention survenue à la fin d'un contrat de la Croix-Rouge dans la région. L'État devrait pouvoir creuser des puits
à des profondeurs allant moyennement autour de 60 mètres, qui devraient être, n'est-ce pas, des sources d'eau potable, entretenues de manière continue pour pouvoir faire la petite irrigation, parce que aussi cela pourra permettre de faire de petits jardinages. Pour l'heure, les représentants du Haut Commissariat des réfugiés et de la Croix-Rouge ougandaise tablent sur les possibles sorties de la crise d'eau dans les camps de réinstallation. 61% des Ougandais de la localité n'ont pas accès à l'eau salubre et 75% n'ont pas accès à des installations d'assainissement améliorées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.